Bonjour à tous. Après une longue hibernation, Papa Ours sort enfin de sa grotte. Et en attendant de vous préparer de nouveaux voyages hypnotiques ou de nouvelles surprises, je poste simplement une méditation qui avait été enregistrée à mes tout débuts en live et que je ne retrouve pas sur la chaîne. J'ai vraiment hâte de vous retrouver prochainement. J'ai beaucoup de choses à vous raconter et à vous partager. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me raconter ce que vous, vous êtes devenu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est la seule chose qui puisse m'aider actuellement pour le référencement de la chaîne. Allez, il est temps pour moi maintenant de vous laisser avec cette méditation qui, je vous le rappelle, a été enregistrée à mes tout débuts. Donc soyez indulgents. Et je vous dis à très bientôt. Allez, je vous invite à votre rythme à vous installer le plus confortablement possible. Peu importe la position, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, celle qui vous convient le mieux, assis ou semi-allongé, voire allongé. Le seul risque en étant allongé, c'est de vous endormir. Donc, n'ayez crainte. On va partir ensemble pour un voyage. Un voyage à l'intérieur de toi, en toi. Un voyage qui va te permettre de te centrer, de te recentrer, de te découvrir, de te redécouvrir peut-être même. Quand tu te sentiras prêt, prends une grande et bonne inspiration. Et à l'expiration, laisse aller. Laisse aller la pression. Ressens les tensions dans ton corps et laisse aller, relâche, lâche prise, laisse aller les tracas, les doutes, le brouillard peut-être même. À l'inspiration, tu remplis tous tes poumons, ton ventre, tout ton corps. Comme si tu donnais une nouvelle énergie à chacune de tes cellules, consciemment. Et à l'expiration, tu permets à tes cellules de se nettoyer, de se purifier. À l'inspiration, c'est la nourriture. À l'expiration, c'est le nettoyage. Lâche prise. Laisse aller. Inspire profondément. Expire. Inspire. Expire. Continue consciemment, à ton rythme, pendant deux ou trois bonnes respirations. Nourriture énergisante, ressourçante. Lâche prise. Lâche complètement prise. Laisse-toi aller. Peut-être tu vas commencer à porter ton attention sur les tensions dans ton corps. Je te propose qu'à chaque expiration, tu laisses ton corps se relâcher, se détendre. Dans tes épaules. De plus en plus profondément. Relâcher. Dans les cervicales, elles aussi, profondément détendues. Ton cou, la nuque, à chaque expiration, détends-toi. Tes bras,
tes avant-bras, tes mains. Tout est de plus en plus profondément relâché. Les hanches maintenant. De plus en plus, de moins en plus détendues. Tes jambes. Et même tes chevilles et tes pieds. Ressens tout ton corps profondément léger et si lourd en même temps. Ressens la pesanteur. Porte ton attention même sur les muscles de ton visage, de ton front, qui peut être crispé. Détends-le. La mâchoire et même la langue. Voilà. Commence à te connecter avec toi. Respire. Aie conscience de ta respiration. Laisse ton corps se détendre, se reposer, se relâcher. Profondément, de plus en plus profondément. Imagine-toi assis dans un endroit agréable. Un endroit que peut-être tu connais déjà. Cela peut être un endroit où tu aimais aller quand tu étais encore enfant. Ou simplement un endroit imaginaire. Imagine-toi assis là, connecté avec le sol, la terre-mère. Imagine-toi ancré en elle. Imagine-toi enraciné en elle. Imagine-toi regarder le ciel et te connecter avec l'univers. Permets-toi d'être ancré ici, tranquillement. Avec moi, avec nous, tous ensemble. À l'intérieur de toi, tu as tout pour connaître le véritable bonheur, l'abondance, la plénitude. Tu as une fontaine de jouvence en toi. Seulement, il nous faut apprendre ou réapprendre à cultiver ce qui est en nous, ce qui est en toi, à mettre un stop à tous ces schémas habituels, à ne pas répéter de génération en génération les mêmes croyances parfois trop limitantes. Notre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenons à nous aimer, nous, à l'intérieur de nous. Commence à regarder à l'intérieur de toi, là où tout est complet, là où tu ne cours pas après ton bonheur, après le manque, après la survie. Cet endroit à l'intérieur de toi, là où il n'y a aucune carence possible, en toi est la fontaine de jouvence. Tout
tout simplement. Mais sais-tu l'activer? Cette fontaine de jouvence, sais-tu lui permettre de jaillir? Lui permettre de t'offrir ce sourire sur ton visage? D'ouvrir les bras à la vie? Crois-tu véritablement en toi? Crois-tu en l'univers et à ses forces? Crois-tu en la vie? Ce n'est pas un hasard l'endroit où tu te trouves en ce moment. Rien n'est hasard. Apprendre à se connaître, apprendre à reconnaître la vie. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre ta juste place. Apprendre à se connaître. Apprendre à reconnaître les pouvoirs de l'univers à travers la vie qui passe en toi. À reconnaître qu'à chaque fois que tu te demandes, tu reçois. À chaque fois que tu ouvres les bras, l'univers les remplit. À chaque fois que tu te perds, l'univers t'aide à te retrouver. Si tu réussis à exprimer correctement ce besoin, l'univers le remplit. Peut-être penses-tu être seul. Peut-être même que tu n'arrives plus à voir la magie dans la vie. Peut-être que ta personnalité, ton ego a pris le dessus. Tes déceptions, ta rage, ta colère. Dépose tes armes. Calme ton esprit. On s'épuise à combattre. Agissons avec plus de douceur. Demande de l'aide. Car à chaque fois que tu demandes, en tournant ton regard vers l'intérieur, tu es entendu, t'es entendu. Tu n'as pas à changer qui tu es déjà parfait, parfaite. Tu n'as pas à devenir une autre personne. Tel que tu es la plus belle des créations de l'univers. Crois en toi, comme la vie croit en toi. Ton rôle à toi est de permettre à l'univers de t'aider. Ton rôle à toi est d'être à l'écoute de la vie. Ton rôle à toi, c'est d'apprendre à cultiver la vie, cette magie que l'univers t'a offert. Et c'est pour ça que tu dois apprendre à cultiver la clairvoyance dans ton esprit, distinguer tes peurs, tes opinions, tes croyances, tes perceptions. Et si tu as des difficultés à faire le tri dans tes pensées, c'est normal. Seul l'entraînement au calme de ton esprit le permet. Demande à l'univers de l'aide, du courage, de la force. Demande-lui de te guider. Tout ce que tu vas lui demander, tu vas l'obtenir. Mais demande-lui à l'intérieur de toi, avec humilité, avec vulnérabilité. Car personne ne te doit quoi que ce soit. Personne. Personne n'est là pour te sauver. Arrête de chercher à être sauvé. Active ta magie. Rappelle-toi juste que tu es la plus belle merveille du monde. Que veux-tu ? Que veux-tu vraiment ? Apprends à le demander clairement, à calmer ton esprit, afin d'entendre ton intuition, afin d'entendre la vie lorsqu'elle te répond.
entendre tes émotions, tes sensations, ou les différentes formes de messages qu'elles t'adressent. Apprends à calmer ton esprit pour te synchroniser à la vie. Arrête de te battre. Arrête de vouloir être dans le contrôle permanent. Apprends à lâcher prise. Apprends à vivre dans l'instant présent. La vie n'est pas un combat. La vie est un jeu. Ton jeu. Réveille ton pouvoir de création, de manifestation. Prends le contrôle sur tes pensées, sur le discours intérieur qui tourne dans ta tête, celui qui peut te faire broyer du noir, t'amener dans tes doutes, qui te fait perdre confiance, ou pire, te fait perdre la foi en qui tu es, en la vie, dans la magie de celle-ci. Réveille-toi, éveille-toi, secoue-toi. L'univers t'a créé parfait, parfaite. Ton seul job, c'est de t'en rappeler, d'en avoir conscience. C'est normal de se perdre. L'univers, la vie, la source, peu importe comment tu le nommes, Dieu, ce que tu veux, est là à chaque fois pour t'aider à retrouver ton chemin. Ne doute pas, crois en toi. Tu es la plus belle merveille du monde. Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi qui tu es. Tu es le plus beau miracle de l'univers. Un miracle peut lui-même fabriquer des miracles. Tu as ce pouvoir en toi, dans toi. Nous l'avons tous. Il suffit d'apprendre à l'utiliser. Tu peux te sortir de toutes les illusions que ton mental a créées. Tu peux couper ce cinéma intérieur. Tu es le seul réalisateur de tes pensées. Et ce que tu penses devient ta réalité. Peu importe le challenge que tu fais en ce moment, peu importe les défis financiers, amoureux, avec tes enfants, avec tes parents, ou encore avec ton travail ou ta santé. Tout ce que tu as créé, tu as le pouvoir et le potentiel de le guérir et de le transformer à une vitesse beaucoup plus grande que tu peux imaginer. À l'équivalence de la foi que tu as en toi, en la vie, en l'univers. Cultive ta foi. C'est la foi qui active les miracles. C'est le feu ardent qui fait se concrétiser dans le réel tes rêves. Cultive ton amour pour la vie. Cultive ta douceur pour l'âme que tu es. Pour la personnalité qui se libère de ses souffrances, de ses chaînes, de ses voiles, de ses filtres, et énormément de compassion pour toi, et envers toi énormément d'amour et de bienveillance pour toi. C'est l'amour qui va te guérir. C'est l'amour qui dissipe le brouillard et permet de changer ce discours intérieur. C'est l'amour qui attire les bonnes pensées, qui fait qu'on choisit les bonnes paroles. C'est l'amour qui fait que tu vas te permettre de passer à l'action. Et c'est l'action qui matérialise tes pensées. La boucle est bouclée. Tu dois avoir conscience que tu n'es pas seul. L'univers t'accompagne. La vie t'accompagne.
ton esprit. Tes pensées font ta réalité. Entraîne ton esprit. Calme-le. Remplis-le d'amour. Et ainsi sera ta réalité. La vie est ton allié, ton ami. Elle est là pour permettre de t'élever vers une nouvelle version de toi-même. Comme la chenille qui devient un papillon, arrête de résister dans le cocon. Sors-toi de lui. Sors de ta zone de confort. Permets au papillon de déployer ses ailes avec de la douceur, avec de l'amour et de la bienveillance. Relève la tête. Mets un sourire dans ton visage. Ouais. Maintenant. Ouais, oui. Là. Maintenant. Souris. Souris-toi. Souris-nous. Tu n'es pas seul. Éclaire juste ta route. Remplis tes poumons de cette air si pur qui permet à ton cœur de battre, de vibrer, d'aimer, de vivre. Ta volonté, ton intention, utilise ton pouvoir de visualisation consciemment. Ne regarde pas ce que tu ne veux plus, mais regarde ce que tu veux maintenant. Ouvre les bras. Dis oui à la vie. Demande-lui de l'aide. Elle est là pour t'aider. Pour t'aider à soigner tes plaies. À te libérer de l'intérieur. La vie, c'est la guérison. Arrête de résister. Change les schémas. Arrête de te battre contre la vie. De te battre pour faire ta place. De te battre pour tirer ton épingle du jeu. Le jeu que tu as toi-même créé. Et si tu n'avais plus besoin de te battre? Et si tu changeais simplement de fréquence et que tu retrouvais ta véritable nature? Et si tu venais jouer dans ce monde où tout est déjà là? Et si tu te permettais d'honorer ta divinité, de cultiver la vie, d'être un sage cultivateur qui s'amuse avec l'expression de la vie en lui, en elle, la vie en les autres, la vie en tout. Si tu arrives à voir l'expression de l'amour dans tout ce qui est, même les choses les plus simples parfois, tout va conspirer à te ramener à ta connexion intérieure, ta reconnexion. Même les phases de brouillard sont essentielles. C'est dans ces moments que l'on nomme la nuit noire de l'âme. C'est dans ces moments qui fait que ta renaissance, la lumière qui éclaire ton chemin en suivant, fait que ta vie n'en sera que plus belle. N'en doute pas. Ne t'en veux pas. Ce brouillard te permet de venir puiser à l'intérieur de toi. De trouver plus de foi en toi, de cultiver ta voix, de percevoir la chance que tu as. D'avoir de la gratitude pour des choses si simples et pourtant essentielles à la vie, à ta vie, à nos vies. La vie est un acte de foi, au-delà de nos simples croyances, au-delà de nos convictions. La foi, c'est ce lien qui nous unit,
qui permet une manifestation de la pensée. Aucune religion là-dedans. Juste les lois de l'univers, simplement. Apprends à les cultiver, même dans les moments les plus sombres. Tu ne peux pas te tromper. Laissez-le. Joue le jeu. Tu n'as rien à perdre. Rien. Et tu verras ce qui va se passer. La foi apaise ton esprit. La foi te permet d'entendre ton toi profond. Parfois même, de laisser ton intuition aux commandes. La vie est là. Elle t'aide, elle t'observe. Même quand tu te sens seul. Elle est là. Autour de toi. Dans toi. Même quand tout est découragement. Elle est là. Autour de toi. En toi. Avec toi. Même épuisée. Elle est là. En toi. Autour de toi. Elle scintille. Elle ne demande qu'à ce que tu tournes ton regard vers elle, vers l'intérieur de toi, vers l'intérieur de ton sublime être. Viens déposer tous tes tracas. Laisse-la t'aider à te libérer. Tu es le seul, la seule à pouvoir tourner ton regard vers l'intérieur. Elle ne peut pas le faire pour toi. Personne ne peut le faire pour toi. Développe ta capacité de ressentir. De ressentir la vie dans ta joie de vivre, dans tes sourires, dans chacune de tes actions. Extase-toi devant une simple fleur, en sentant le vent sur ta peau, en lézardant au soleil. Extase-toi à chaque instant, en entendant les rires d'un enfant, en écoutant une musique, en parlant même. Il est là le bonheur. Il n'est pas à l'extérieur de toi. Il n'est pas dans l'attente de choses que tu peux avoir. Tu l'as déjà, le bonheur. Il est en toi. Apprends juste à le reconnaître. Et honore la vie. Aie de la gratitude pour tout ce qu'elle t'offre déjà. Mets un sourire sur ton visage. Ramène des étoiles dans tes yeux. Partage au monde entier la puissance de ton amour. Tu es la plus belle merveille du monde. Il ne te manque rien, rien. Tu es tout. Fais la paix avec ton passé. Cesse d'imaginer 10 000 futurs possibles. Fais la paix. Fais la paix avec les actions que tu regrettes d'avoir faites ou pas faites. Fais la paix avec ton corps, avec ton esprit. Resynchronise-toi avec la vie, avec l'univers, avec ta véritable nature. Avec ton vrai toi, ton toi intérieur. Et la vie va devenir de plus en plus légère, de plus en plus simple. Développe cette capacité à prendre de la hauteur, à prendre du recul sur les choses, afin de ne pas laisser certaines croyances te limiter, afin de ne pas laisser tes souffrances prendre le dessus
ce qui pousse à réagir trop souvent impulsivement. Prends de la hauteur. Tourne ton regard en toi, vers l'intérieur. Rappelle-toi qui tu es vraiment. Ne sois pas l'esclave de ton esprit, de tes pensées. Contrôle-les. Sois le seul maître à bord. Le maître qui met son attention sur ce qui est vraiment important. Qui sait ramener son attention quand son esprit commence à se perdre. Qui sait agir avec douceur, amour et compassion pour lui et pour les autres. Et qui sait que l'amour est toujours la réponse. Que l'amour est dans tout. Sois le maître de ta vie. Tu es le maître de ta vie. Je ne peux terminer cette relaxation sans te réciter ce mantra hawaïen que l'on appelle Ho'oponopono. Je t'invite à le répéter dans ta tête après moi si tu le veux. Il permet tellement de libération à lui tout seul. Il est simple, très simple. Le voici. Je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi. Merci. Je t'aime. Je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi. Merci. Je t'aime. Comment te sens-tu, là, maintenant, avec toi, avec nous? Reprends quelques bonnes inspirations, et quand tu le voudras, quand tu te le permettras, tu pourras rouvrir tes yeux, t'étirer si tu le veux. Je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi.